Nous sommes ici à Brissac, dans mon restaurant Le Jardin aux Sources, qui est dans un lieu atypique, un ancien relais de diligence, et que j'ai voulu mettre en avant avec une table où on se fait plaisir avant tout. J'ai choisi cette recette de moelleux au foie gras et à l'amande comme dessert en associant de la châtaigne et du potimarron ou de la courge pour valoriser mon terroir, mon territoire, ma région, mes Cévennes aussi auxquelles je tiens car je suis né ici et donc c'est important de valoriser cet arrière-pays. Le Languedoc-Roussillon est une région culinaire riche, je dirais même toute l'Occitanie. C'est vrai que maintenant, notre grande région nous permet d'avoir des produits partant du fromage, aux fruits, aux légumes, aux produits de la mer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une grande côte littorale. Et nous, dans l'intérieur des terres, eh bien, on essaie de faire des associations de produits de la mer, de produits de la terre, de produits issus de la vigne également. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler et de valoriser tous ces produits-là. Alors la carte de mon restaurant suit plus que les saisons parce qu'elle le change toutes les semaines. On essaie de trouver des menus en fonction des produits que je trouve et on travaille en perpétuel, on va dire, réflexion entre tous les cuisiniers, hein, moi-même le soir. Et c'est vrai que je suis absolument tous les produits. C'est plus qu'à la saison. On doit changer à peu près une vingtaine de fois la carte par saison, quoi. Alors ce qui me fait vibrer dans ce métier, c'est le fait que tout est illimité. On peut partir dans tous les sens en essayant d'être cohérent, bien entendu, mais tout est possible. Je fais beaucoup de légumes en dessert et je me prends plaisir à faire découvrir des choses. La clientèle me suit, oui, je pense, depuis presque 20 ans maintenant. Les clients sont même curieux de savoir qu'est-ce qui va changer dans mes nouvelles cartes ou de me dire carrément on aimerait bien être les cobayes quand tu fais tes essais. Alors donc voilà, bon, c'est une petite anecdote mais c'est super sympa parce que vraiment beaucoup de clients qui souhaiteraient venir goûter tous les essais que je fais.